en couvert, on aura trois menus Bria Savara. Non mais te fais pas chier à faire de la décoration, le client s'en fout, il a 20 minutes pour manger. On mange pas en 20 minutes. J'ai une bouteille de foie gras pour la 8. La 8, ils avaient pas demandé de la blanquette de veau. Si. Bonjour. C'est vous qui avez commandé un fougère? Oui. Et on peut savoir pourquoi? Bah parce que votre serveur me l'a proposé. Ah, un conseil d'ivrogne. Non, avec de la blanquette de veau, on prend un blanc sec. Hein? Voilà. Comme par exemple un muscadet 2003. Oui, non, mais nous, on préfère le rouge. Vous préférez le rouge? Pas de problème, alors. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va se replier directement vers l'entrecôte frite. Bon appétit, monsieur. Non, mais ma blanquette! Je vais pas me laisser encore une chance, lui. Et une petite semaine. Non. Non, attends, tu te rends compte? T'as agressé 6 clients pour une histoire de cuisson de viande. Ah, non, 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 mais ils voulaient leur côtelette d'agneau à point. Ah ouais, et alors? Hein? T'as failli en venir aux mains avec un mec qui a mis de la sauce moutarde sur sa sole meunière. Vous savez ce que Paul Bocuse dit toujours? Bocuse? Je m'en tape. C'est une brasserie de quartier ici, pas un 3 étoiles. J'ai fait mon premier poulet basquez à 4 ans, mon premier soufflé à 5. On m'appelle le Mozart du piano, de cuisine, évidemment. Le Mozart de quoi? Le piano de cuisine. Bon. Sinon, je connais des centaines de recettes par cœur, des plus grands chefs. Ma puissance culinaire est sans limite. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. T'es nouveau, toi, t'as jamais vu? Oui. Je veux une entrecôte frite. Et moi, je veux un bœuf carotte frite. Et moi, entrée, je veux un hareng avec des frites. Soyons sérieux, messieurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose une mousse de courge butternut au domino en gelée de châtaigne avec des petites ravioles de tomates posées sur une feuille de chêne. Et c'est servi avec des frites ou... Non, non, c'est accompagné de betteraves rouges au paprika dans une soupe de mâche parfumée à l'écume de carottes avec un trait de vinaigre de cidre d'Azincourt. C'est qui ce PD? Mais que je te revois plus avec tes conneries au paprika, là. Alors, Jackie, ne me dis pas que c'est aujourd'hui que tu vas me l'acheter, ta tenue de chef. Bientôt. Bientôt, tu verras. C'est sur le bas, saupoudrage de chapelure en rosé. Et quelques gouttes de beurre fondu. Ok. Un peu de girofle, un zeste d'orange. Comment s'est passé aujourd'hui? Non. Ah non, Jackie, non. Attends, c'est le quatrième restaurant qui te vire ce mois-ci? Comment on va faire avec une seule paye? On va être à trois dessus. Ils comprennent rien à ce que je fais. Rien. La fâche! T'as vu notre découvert? Oui, oui, bah je sais. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, ça va, ça va. Bébé, bébé, ça va? Oui, oui. T'es sûr? Oui. Toi, par contre, faut que t'arrêtes de travailler. Hein. Et puis moi, je vais faire en sorte de trouver un boulot.
N'importe lequel, je veux que tu sois tranquille. N'importe quel travail. Le premier qui se présente. Et je me ferai pas virer cette fois-ci. Bonjour chef. Bonjour. Ça fait du bien de quitter les fourneaux. Tout va bien? Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour, vous avez aimé la solde? Elle est parfaite. Bonjour. Bonjour. Ah, vous aimez mes petits oignons confits, madame? Oh, ils sont à dévorer, monsieur Lagarde. Permettez. Voilà, une bouchée parfaite. Oh, je m'en souviendrai. Et moi, je mange comment? Avec une fourchette, vous piquez, ou... Pardon. Oui. Je... Oui. Monsieur m'interdit que par contrat, vous avez l'obligation de lui montrer le menu. Il veut que vous passiez le voir. Dites-lui que j'ai pas le temps. Et pour les restaurants qui ne répondent pas, il faut voir ça aussi avec monsieur Mater. Plus tard, Marion, plus tard. Non, ça va pas. Je ne ressens aucune émotion. Redonne-moi la vanille. Oui, chef. Allez-y, goûtez. C'est très bon, chef. C'est fantastique, chef. Tu parles. On peut pas présenter ça à la carte du printemps. Non, je n'y arrive pas. Chef, monsieur Mater vient nous envoyer un menu. Il veut que vous le serviez cette semaine. Il commence à me courir, celui-là. Suivez-moi. Arrête de faire la tête. Mais je fais pas la tête. C'est toi qui as dit que t'étais prêt à prendre n'importe quoi. Bah oui, je l'ai dit, je le fais. Hein. C'est juste un travail pour 6 mois, non? Bah ouais, tu vas voir, ça va passer super vite. Bon, allez. Mmh. Bonne journée. Mmh. Tu sais quoi? Je crois même que je vais me plaire ici. Allez. Faut me repeindre le pourtour des fenêtres de toute la résidence, hein? Il y en a 524 en tout. Ensuite, les portes, 188. Super. Qu'est-ce qu'ils mangent, les gens, là? J'en sais rien, je m'en fous. Tiens, ta combinaison, le matériel est là, et on y va. Hein. Ok, merci. Bonjour, madame. Topinambour, velouté, courge en gaspacho. Et ton menu date vraiment du siècle dernier, Alexandre. Les ingénieurs ont besoin d'ingrédients pour baisser le prix de notre gamme de surgelés et de places sous vide. Quel rapport avec moi? J'ai besoin de toi pour passer devant la commission d'agrément du ministère. Alors si le chef du cargo Lagarde utilise ces produits, on aura le feu vert. Tu crois vraiment que je vais mettre des saloperies dans mes plats pour faire plaisir à tes actionnaires? Mais mes chimistes me disent tous que c'est sans danger. Et beaucoup de grands chefs travaillent avec l'industrie. Je te demande d'y réfléchir. J'ai tout réfléchi. Tu vois, tu corresponds plus du tout à l'image du groupe. Alors je te présente Cyril. Il a 2 étoiles à Londres et à Paris. Hello Alexander, faut que tu viennes manger chez moi. J'ai des mousses de radis phosphorescentes, des entrecôtes effervescentes et des glaçons de poulet de Bresse. Génial. Voilà, je vais confier le cargo Lagarde à Cyril et toi, tu vas récupérer la fermette au Mimosa, à Orléans. Et regarde comme c'est joli. Comme ça, tu pourras continuer à faire ta belle cuisine de tradition. Le cargo Lagarde porte mon nom. Mais il est à nous, ton nom. On te l'a acheté. Et tu nous coûtes trop cher. Tu rapportes pas assez. Je suis invirable, Stanislas. Relis mon contrat. Bon, l'entretien est terminé. Quoi? C'est comme ça, Alexandre. C'est l'époque. On n'y peut rien. Bonjour. Il y a quelqu'un qui frappe, là. Comment vous le trouvez?
Comment vous le préparez, le cabillaud, là? Il veut quoi, le peintre, là? Le cabillaud, vous le préparez comment? Quoi? On comprend pas. Quoi? Là, vous êtes en train de le bouillir. Il faut pas le bouillir, il faut le faire au bain-marie, et pas plus de 10 minutes. Parce qu'après, il perd complètement toute sa saveur, et il devient complètement... Ouvrez-moi la fenêtre. Oui? Comment vous le préparez, le cabillaud, là? En bouillon, dans de l'eau salée, pourquoi? Mais faut pas faire ça, il va perdre tout son goût. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, là? Tenez-moi ça. Bonjour, monsieur. On peut faire mieux. Alors, je pense à un concassé de prince des mers à la mousse de citron. Vous savez, monsieur, ici, ils détestent les changements, hein, ça les rend méchants. Ouais, on sait même pas s'ils savent ce qu'ils mangent ici. Ouais. La dernière fois, on leur a fait du poulet, ils ont demandé s'il restait du rabe de poisson. Vous savez, si vous m'écoutez, ici, on peut atteindre des sommets de création culinaire. Ouais, mais c'est pas forcément notre but, hein. Ben non. Quelque chose j'avais mis dans les assiettes. Alors, concassé de prince des mers à la mousse de citron et radeau de petits légumes de printemps au bouton de sauce arc-en-ciel. Oui, ben j'aime pas le cabillaud comme ça. Goûtez d'abord, peut-être. Mais non, je vous dis que j'aime pas ça. On sait quand même à notre âge si on aime ou si on n'aime pas. Moi, je veux que de la purée. Et moi, je veux pas le truc jaune dessus. Si le café pouvait chaud le matin, vous en faites pas, monsieur le peintre, c'est normal. L'autre fois, on a juste mis du fromage dans une omelette, et ben il y en a un, m'a mordu. Hein. Non, monsieur, moi, je dois voir les choses trop en grand. Les gens s'en foutent de la qualité, en fait. Bon, désolé, les gars. Allez, hé, vous savez quoi? La prochaine fois, vous aurez qu'à leur servir de la purée d'aspirine avec du jus de l'exomile. Ça devrait leur plaire. Je vous prends de la sauge. Bonjour. Monsieur. Juste un poireau. Monsieur Lagarde, ma mère vous adore. Vous voulez bien me signer ça? Direct dans 2 minutes. Chef. Oui. Je voulais vous dire, je quitte le cargo Lagarde. Quoi? Je pars diriger le miroir de Paris à New York. J'ai encore rien décidé, moi. Stanislas, ma mère, m'a déjà fait signer le contrat. J'espère que vous me pardonnerez, chef. Mais tu peux pas me faire ça. Quand je t'ai engagé, tu ne savais même pas ce que c'était qu'une paupiette. Direct dans 1 minute. Je peux pas dire non au miroir de Paris, chef. Mais pas maintenant. Tout le monde m'attend au tournant avec cette putain de carte du printemps. Je vous garderai dans mon cœur et dans ma tête. Mais je m'en fous que tu me gardes dans ton cœur et dans ta tête. C'est clair? Chef. Oui. Excusez-moi, mais je pars aussi. Direct dans 10 secondes. Stanislas Mater m'a offert la direction du Coupe de France à Dubaï. 7, 6, je suis désolé. 5, mais vous vous êtes donné le mot ou quoi? 2, 1... Bonjour. Bienvenue dans mon émission Les recettes du marché d'Alexandre. Et je suis là avec mes deux fidèles lieutenants, Sergio et Akio. Ça a commencé? À l'instant. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de mes entrées favorites. Ah. Au cœur de l'hiver, quand il fait froid dehors, que vous êtes seul en cuisine... Je pensais pas qu'une émission de cuisine pouvait me scotcher comme ça. Ah, moi non plus. Pour vous réchauffer le cœur, je vous propose le velouté de poireaux au miel d'acacia. On peut cuisiner des poireaux avec du miel? Bah bien sûr. Chut. Genre, tu savais ça, toi? Bah qui sait pas ça? Taisez-vous. Les poireaux en petits dés. Juste la partie blanche. Oui, Akio. Comme je vous ai appris au cours de toutes ces années passées à mes côtés. Il est bizarre, Alexandre. Quand l'oignon devient translucide, on rajoute les poireaux. Il ne mettait pas d'oignon dans cette recette. S'il en met, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Il doit avoir un problème de travail ou de femme. Tu le connais? Ah, par cœur. Quand j'étais fauché, je piquais ses livres de cuisine pour me les offrir à moi-même, alors. C'est bon? Tu vas rester combien de temps à faire cette fenêtre, toi? J'avais oublié le pinceau. Il y a l'autrelle à faire. D'accord, j'arrive tout de suite. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tire à corps. Et juste vous libérer 15 jours, j'ai vraiment besoin d'un second en cuisine. Papa, ça y est, j'ai ma date pour ma soutenance. Et vous auriez une idée pour un assistant disponible? Non, je l'ai déjà appelé. Ah, il n'y a vraiment personne. Ah, mais tu es là, ma chérie. Je te signale que je suis venue te parler dans ton dressing. Je sais que t'es venu me parler dans mon dressing. Et qu'est-ce que je t'ai dit alors?
Tu m'as parlé d'un truc... Bon, tu vas venir alors ou pas? Bien sûr que je vais venir. Où ça? À ma soutenance de thèse. Et c'est quoi le sujet déjà? L'influence du roman fantastique russe chez les écrivains français du 19e siècle. Mais tu sais qu'il y a de plus en plus de Russes qui viennent au restaurant. Ah, super. Mais tu t'en vas là? C'est moi qui fais le service. C'était pas prévu. Tu m'en veux pas? Oh bah quelle surprise. T'annules, tu reportes, tu repousses. Pas grave. Attends, tu vas pas encore te commander un hamburger? Oui, bonjour, c'est Mademoiselle Lagarde. Je voudrais, s'il vous plaît, un double cheeseburger et un coca. Merci, au revoir. Bonne soirée, papa! Jackie, on les veut. J'ai un problème avec ton fils, Paul. Comment ça? Il veut que je mette des gélifiants, des saloperies chimiques dans mes plats. Oh, je vois. Tiens, écoute ça. J'ai emmerdé, Paul. J'ai plus d'idées comme avant. Mais tous les ans, c'est la même chose. Tu crois que tu vas perdre une étoile, alors... Goûte, je te dis. Qu'est-ce que c'est? Incroyable. Incroyable. Incroyable, c'est le mot. C'est ma recette du rouget au potimarron que je faisais en 1996. Exactement. C'est dingue. Je retrouve tout. L'équilibre des légumes, l'harmonie des épices, tout. Qui a fait ça? Tu vois le peintre là-bas? Le peintre? Monsieur! Monsieur! Excusez-moi de vous déranger, je vais vous parler deux minutes. C'est bien vous qui avez refait ma recette de rouget au potimarron de 1996? Non. 97. En 96, c'était le duo de Saint-Pierre et mousseline de pommes de terre Viclotte. Vous êtes sûr? Ah oui. Ah, cette recette, pour moi, c'est l'équivalent du David de Michel-Ange. Michel-Ange. C'est intéressant comme rapprochement. Écoutez, à la vérité, je cherche un second. Est-ce que ça vous dirait de venir faire un essai chez moi au Cargo Lagarde? Oui. Vous allez me signer un contrat de travail. Un essai, j'ai dit. On verra plus tard. Combien de temps? Le temps légal, j'en sais rien, moi. Un mois, deux mois... Mais je suis désolé, ça va pas être possible. Pardon? Mais non, c'est... Comprenez, ici, j'ai un CDD de 6 mois. Parce que j'ai promis à ma femme, on attend un bébé. Parlez-lui, elle comprendra. Ah non, elle comprendra pas, non. Enfin, ça se refuse pas, le Cargo Lagarde. Vous êtes complètement con, quoi? Non, monsieur Lagarde. J'aime ma femme, c'est tout. Oh, mais vous commencez à me gonfler, là, tous, bien comme il faut, là. Allez, au revoir, monsieur. Monsieur Lagarde! Monsieur Lagarde, attendez! J'accepte votre proposition. Bon, demain, 8h au Cargo. Et puis, vous avez raison, je vais lui dire la vérité à ma femme, hein. Je vois pas pourquoi elle comprendrait pas, hein, que je quitte un... Un boulot payé pour un stage gratuit. Hey. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des fleurs. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'avais envie de venir te chercher. Et puis, je suis content de savoir que maintenant, tu comptes sur moi, alors voilà, des fleurs. Tu t'es fait renvoyer de la résidence? Pas du tout. J'ai un truc grave, alors. Bon, tu le prends, ce bouquet, ou je le laisse à l'accueil? Maintenant, je le prends, bien sûr, mais tu vas le porter parce que je suis un petit peu enceinte. Je sais pas si tu m'es arrivé aujourd'hui. Ah, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose. Bah ouais, ouais, il y a quelque chose. Ouais. Tu devineras jamais qui est-ce qui est venu me féliciter. Non, qui? Alexandre. Le directeur de la résidence. Comme il a trouvé que je peignais vite et bien, il m'a demandé de repeindre tout le réfectoire. Ouais. L'air de rien, tu te rapproches des cuisines, toi. N'importe quoi. Elles sont super loin, les cuisines. Alexandre, arrêtez, c'est sale, ça. Non, mais arrêtez ça. Alexandre, arrêtez. Non, mais arrêtez ça. Monsieur Amateur, si vous nous venez, je vous colle la chambre froide. Bonjour, chef. Vous êtes en retard. Non, mais 8h02. C'est bien ce que je dis, vous êtes en retard. Janine? Oui?
Bonjour, Jeanine. Bonjour, chef. Vous lui brodez son nom sous le cargo. Ça sera fait, chef. C'est Jackie Bonneau. BO2Z noté. Monsieur Lagarde. Oui. Attendez. Quand même. Je tenais à vous dire, chef, que je suis conscient de la chance que vous m'offrez aujourd'hui. En effet, tout petit déjà, vos recettes étaient pour moi comme les perles d'un collier. Je vous attends en cuisine. D'accord. J'arrive tout de suite. C'est Marcel Bouchard. Tenez. Merci. Je sens que cette veste et moi, on va aller loin. Essayez de pas vous faire virer dans la journée, ça sera déjà pas mal. Ah. Mesdames, messieurs, un peu d'attention. Voilà. Vous allez goûter ça et vous allez me dire ce qu'il y a là-dedans. Vous voulez que je me bande les yeux? On n'est pas au cabaret, là. Alors. C'est du turbo rôti. Avec un petit coulis d'épinards. Une sauce tomate-olive. Au radis d'aïcon. Avec du beurre salé. J'aurais mis 2 grains de sel en plus, personnellement. Très bien. Et là-bas, vous sentez quoi? Ça, c'est du bœuf grillé, puis confit. Du vintage beef select, excellent choix. Avec des courgettes et des pommes de terre. Des Lady Christelle, belle texture, vos préférées. Elles tiennent parfaitement dans l'eau bouillante. Et puis des petites aubergines grillées. Un peu trop grillées. Beaucoup trop grillées, même, si je peux me permettre. Pardon. Il a raison. Elles sont trop grillées, ces aubergines. Oui. Qui a fait ça? C'est moi, chef. Mais combien de fois je dois vous dire que c'est susceptible, une aubergine? Qu'il faut pas lui faire de la peine? Qu'il faut pouvoir la regarder dans les yeux? Je vais la regarder dans les yeux, chef. Ça, c'est poubelle. Allez. Oui, chef. Évidemment, vous n'auriez pas fait cette erreur, vous. Non, chef. J'aurais entendu l'aubergine crier. Ah, voilà. Jackie, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Et qui les écoute aussi, c'est important. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carotte? Rappez-moi. Apparemment, elle voudrait qu'on la râpe. Tenez, râpez ça. Oui, chef. Et mettez-la dans Saint-Pierre. Bon, Jackie va vous regarder travailler et dès demain, il dirigera les deux services. Allez, au boulot. Oui, chef. Ça veut dire que je suis embauché, chef. Attendez de voir d'abord un coup de feu dans un grand restaurant. Il y en a beaucoup qui rendent leur tablier en pleurant. Pas Jackie Bonneau. C'est ce qu'on va voir. Et ça, c'est quoi? Riz de veau, Saint-Jacques de Saint-Brieuc, vanille. Ne vous occupez pas de ça. La création ici, c'est moi. Parce que je me disais que... Non, d'accord. Je me sens tellement bien. Et regarde, le bébé aussi, il est apaisé. Ça, c'est grâce au nouveau Jackie. Nouveau Jackie. Faut rien exagérer. Hein. Faut que je te dise. J'ai quitté la résidence et je suis allé sèche chez Alexandre Lagarde depuis 3 jours. Comme c'est un stage, pour l'instant, c'est pas rémunéré. Mais... Oh, pardon, je m'endors. Si tu m'as dit. Bonne nuit, mon nouveau Jackie. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. C'est comment? C'est complet, chef. Bonjour, chef. Parle-moi! Et la poutine, on en est où? Viens, chef. Les poulardes, on avait dit à 35 sur le pass, hein? Faut se manier, là, j'ai toujours pas mes piccatas devant moi. Ok, je te cherche. Désolé. C'est de ma faute. Mais merde, fais attention, mes piccatas. Oui, oui, oui. On relance une piccata. Je prends. Non, non, toi, occupe-toi de la langouste pour la 4. Je prends la piccata. Non, mais ça, c'est pas à toi de le faire. Toi, tu checkes le poulet de la 16, le client attend. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, là? Y'a pas assez de poulet dans ta cassolette. Tu veux que Jérôme se fasse engueuler par le client? Promets-moi du poulet, hein. Tu peux me nettoyer ça, s'il te plaît? La piccata, pas de problème. Jour. C'est bien, Jackie. Vous avez fait une bonne semaine au cargo. Merci, chef.
Monsieur Lagarde, oui. J'adore votre poulet au citron. Mais vous devriez en mettre plus de citron. On n'a qu'à en rajouter, vous. Oh, bah, tiens, j'avais... Direct dans 5 minutes. Et on va où, là? Sur le plateau télé, on va faire mon émission. Ah non, 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 pas question, je fais pas de télévision, moi. Si ma femme regarde. Mais elle travaille, elle regarde pas la télévision. Et mes beaux-parents s'y regardent. Ah non, là, non. Vous pouvez m'appeler Brian pendant l'émission? Bienvenue dans mon émission Les recettes du marché d'Alexandre. Cette semaine, j'ai l'honneur de vous présenter mon nouvel assistant. Ah, je vous présente... Brian. Brian. Brian, aujourd'hui, nous allons préparer le navarin de veau aux petits légumes. Le navarin que vous aviez mis à votre carte quand vous teniez l'auberge de la Source en 99 à Uzès? C'était que ça. Excellent. Il faut dire que Jackie... Brian. Brian est la mémoire vivante de la gastronomie française. Mais pourquoi il a mis des lunettes noires, Jackie? Peut-être qu'il veut pas qu'on le reconnaisse. Pourquoi il va à la télé s'il veut pas qu'on le reconnaisse? Peut-être qu'il va être connu, mais incognito. On a découpé les tendrons de veau en beaux morceaux. Pendant ce temps, moi, Brian, j'ai pelé les carottes. Brian? Pourquoi Brian? Ça va être son prénom américain. Tenez, ciselez cette ciboulette. Quoi? Vous voulez mettre de la ciboulette? Ben oui. Mais c'est pas votre recette, vous mettiez de l'estragon? Je vous rappelle que nous sommes en direct. Jackie aime beaucoup me taquiner. Non, pas. Et donc... Jackie, Brian... Je ne plaisante pas avec la recette du navarin, donc au revoir la ciboulette. Bon, alors, prenons... Ah, du thym. Mais non, on va pas prendre du thym. Ne touchez pas à votre chef-d'œuvre, Alexandre. Ils sont engueulés pour de vrai, là. Donc, merci, Brian, je n'ai plus besoin de vous. Bah non, je veux goûter le navarin, moi. Regarde. C'est quand même bien meilleur sans ciboulette ni thym. Ta gueule. Mesdames et messieurs, bon appétit. À la semaine prochaine. Si je peux me permettre, une petite note d'estragon n'aurait pas fait de mal. Ferme ta gueule. Bon appétit. Bon appétit. Je vais me faire un navarin ce soir. Merci. Ne refaites plus jamais ça. J'ai défendu votre recette. Bravo, bravo. Alexandre, magnifique. Oh, vous avez fait un numéro tous les deux extraordinaire. J'ai relu ton contrat aussi. Et je sais comment te faire quitter le cargo Lagarde. Si tu perds une étoile... Ton contrat, il saute. Je ne perdrai jamais une étoile. Mais tu sais que je travaille avec tous les patrons de guide maintenant. Deux critiques viendront bientôt au cargo Lagarde. Et t'as pas de chance, il paraît qu'ils aiment pas ta cuisine. Ouais, j'ai l'impression que cette fois-ci, tu vas pas les garder, tes 3 étoiles. Oh, oui, j'allais oublier. Si tu perds ton restaurant, tu perds ton appartement. Il est à nous aussi. Au revoir, Alexandre. Amusez-vous bien, tous les deux, hein? Courage. Ça va aller. Qu'est-ce que vous faites? Je vous réconforte. Vous me réconfortez? Oui, parce que... Allez faire le service et arrêtez de dire des conneries. Oui, chef. Au revoir, chef. Stanislas Mater est venu voir tous tes fournisseurs cette nuit, un par un. Si on vend quelque chose, il arrête toutes les commandes chez nous. Oh, le salaud. Et comment je vais faire, moi? Ne t'inquiète pas, Alexandre. J'oublierai jamais que c'est toi qui m'as fait débuter. Je te sers ce que tu veux. Merci, Marco. T'es un vrai ami. Julien. Tiens, je te présente Julien. C'est lui qui s'occupera des courses dorénavant. C'est Marco. Thibaut, viens voir. Tu sais quoi? On va rajouter 2 bâtons de cannelle et 1 feuille de lotus dans la sauce pour l'agneau. Hein? Mais j'ai pas le droit, on change pas les recettes d'Alexandre. Mais si. Ah non, non, on touche pas aux créations. Alexandre m'a laissé carte blanche, Lec. Mais je peux pas faire ça. Mais si, ça va être super. Beau. Mets-lui sa cannelle. Le chef sera furieux. Comme ça, il le dégage. Dans les bottes de ce pont. Ok. C'est une très bonne idée, je mets de la cannelle. Allô? Chef, j'ai 2 personnes à la 8. À mon avis, ce sont des critiques. Ils mangent pas vraiment, ils goûtent. Ils demandent des trucs. Et ils ont commandé l'agneau en sauce. Et alors? Jackie, votre nouveau second. Il a changé la recette. De quoi? Bonjour, chef. Bonjour, chef. Vous, vous perdez rien pour attendre. Ils sont à la table 8. Tout va bien? Tout va bien? Bonjour. Oh, bonjour. Monsieur Lagarde, c'est une merveille.
J'avais goûté avant votre agneau en sauce et... Et eh bien, je dois dire que c'est une idée géniale d'avoir ajouté de la cannelle. Hein. De la cannelle? Oui, j'ai pensé que la cannelle apporterait une rupture intéressante, effectivement. Oui, bien alors, on sent une autre saveur aussi. Hein. Il y a un goût assez indéfinissable. Il ne le dira pas. Hein. Non, il ne le dira pas. Du lotus, non? Du lotus, bravo. Bravo. J'aime contredire mes saveurs. Oh, c'est fou, hein. Tout ce que les gens peuvent dire sur vous dans Paris, que le grand Alexandre fait du surplace, que vous n'êtes plus qu'un homme d'affaires. Les gens sont méchants. Vous êtes toujours au sommet, croyez-nous. Au top. Merci, merci. Ah, Alexandre, permettez. On dit que des critiques du guide viendront chez vous le jour où vous allez sortir votre prochaine carte. C'est le 12 avril, je crois. Le guide, merci de me prévenir. Ce sera Busseron et Marshall. Ils détestent la cuisine classique. Alors, si je peux me permettre, faites-leur deux ou trois plats de cuisine moléculaire. Oui, avec un petit peu d'azote, de la transparence. Ils ne jurent que par ça. De la cuisine moléculaire? Mais non, pas ça. C'est quoi cette histoire? De la cannelle? Du lotus? Vous changez mes plats? Mais non, c'est la même sauce avec laquelle vous avez accompagné le filet mignon à l'inauguration du Four Seasons à Tokyo l'année dernière. Il y avait de la cannelle. Un agneau et un chevreuil, ce n'est pas pareil. Justement, je vous ai interprété. J'ai fait un rapprochement entre un plat d'Alexandre d'aujourd'hui et une sauce d'Alexandre d'hier. Oui, bien, Alexandre vous dit de ne plus faire de rapprochement entre Alexandre et Alexandre. D'accord? Excusez-moi, mais je sais quand même comment Alexandre travaille. Mais Alexandre, c'est moi! Et alors? Je vois pas le rapport. Je vous rappelle que moi, je suis Alexandre depuis ses débuts. Et franchement, vous voulez que je vous dise, je préfère largement le Alexandre d'avant le départ de Charlotte. Charlotte? Mon ex-femme? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Bah, depuis qu'elle est partie, vos sauces stagnent. Personne n'ose vous le dire, mais vos sauces font du surplace. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon! Bon, maintenant c'est terminé. J'en ai marre. Dégagez! Quoi? Vous me direz? Oui! Le stage est terminé! D'accord. Vous cherchez quoi faire avec les riz de veau et les Saint-Jacques? Je sais ce qu'aurait fait le grand Alexandre, moi, celui que je connais. La création ici, c'est moi! Ouais! Eh ben au revoir, monsieur Lagarde! Mais on frotte, là, on frotte, hein! Monsieur le chef! Monsieur Bonneau? Monsieur Lagarde me prie de vous demander ce qu'aurait fait Alexandre avec les riz de veau. Ah ben, il les aurait déglacés avec du vinaigre de sureau. Vous les auriez déglacés avec du vinaigre de sureau. Monsieur Lagarde, je vous demande de rentrer dans la voiture. Pas trop tôt. On va mettre le vinaigre de sureau maintenant. Pourquoi vous souriez bêtement? Parce que c'est la première fois qu'on me reprend après m'avoir viré. Allez-y. Oui. Il a raison, ce con. Eh bien sûr. Bon. On va travailler ensemble à la carte du printemps. Mais... Mais t'es vraiment couillon, toi aussi. Pardon? Non. Excusez-moi, Alexandre, c'est parce que je suis en ligne. Tiang, les farfales, c'est al dente. Toi, forcément, tu les fais bouillir une heure. Ah, d'accord, je savais pas où. Bon, alors tu recommences. Et tu les laisses dans l'eau que 9 minutes. Et surtout, tu remues, tu remues, tu remues. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je les aide pour la cuisine à la résidence. Vous voulez dire que ce midi, vous avez fait le service ici et là-bas en même temps? Ah, oui, oui, parce que les résidents adorent mes recettes, alors je voulais pas les laisser tomber comme ça. Hein. Alexandre, je viens en paix, pas d'embrouille. Je veux juste faire visiter mon restaurant à Cyril et à son designer, c'est tout. Sortez de ma cuisine. Ok, très bien. Alors, je te présente Maître Lavenne, huissier de justice. Bonjour, monsieur. Il est là pour constater que je peux faire visiter sans danger mon restaurant pour y faire des travaux, hein, au cas où tu perdrais une étoile, bien sûr. Ça parle, monsieur Mateur? Ouais, ouais, tout ça vire. Et cette partie-là sera en céramique lustrée. Et là, on fait sauter le mur, on va tout droit, et les clients mangeront là et là aussi. Et là, je veux une grande table écran. C'est des Saint-Jacques? C'est une bonne idée. Hein. C'est une recette de Elle Magazine ou de Marie-Claire? Ah, Alexandre, il était vraiment temps que je m'occupe du cargo. Hein. So, Cyril, yes. Come with me.
vais vous montrer où sera le jardin d'hiver. Toutes les portes à en virent aussi, hein. Faut péter, faut de l'espace. Ça sent la vieille cuisine ici. Et vous pouvez la perdre, cette étoile? Oui, c'est possible. Allez, venez, on continue. Jackie, Jackie! Quoi? La sauce au citron, elle a brûlé. Eh ben, tu prends une autre casserole et tu recommences. Et Jackie, il y a Béatrice qui a appelé à la résidence. Elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable. Et comme elle est dans le quartier, elle voulait te montrer des trucs pour le bébé. Ah bon? Bon, faut que je la rappelle alors. Bonjour. Je cherche Jackie. Jackie? Oula, il travaille plus là depuis longtemps, Jackie. Ah bon? Allez voir dans les cuisines, ils doivent savoir. Dans la cuisine? Alors, d'abord, tu fais mariner le soja avec les quartiers de citron. Bonjour. Ok? Bonjour, je cherche Jackie. On m'a dit que je pourrais le trouver ici. Ah, il travaille plus ici, c'est pourquoi? Il est où? Je vous le dis, mais vous le dites pas à sa femme, hein. Il est là, sur l'écran. Qui je dois annoncer? Sa femme. Hein? Sa femme arrive? Faut qu'on fasse gaffe, alors. Non, non, mais c'est moi, sa femme. Il y en a pas assez. Ah, c'est la merde. Et du coup, vous lui avez dit quoi, Béatrice? Bah, la vérité, que t'es allé au pute, hein. Jackie! Non, j'avais pas dit ça. Non, je lui ai dit que tu devais aller acheter du plâtre et que tu revenais dans 10 minutes. Mais vous êtes con? Je fais comment, moi, pour revenir à la résidence maintenant? Va falloir que je la rappelle, que je trouve une excuse. C'est pas malin, ça, hein. Jackie, c'est chaud. Jackie! Deux secondes, Titi. Tiens, c'est marrant, il y en a un d'entre vous qui a la même sonnerie que ma femme. Merde. Allô, bébé? Oui? Ça va? Oui, oui. Non, c'était juste pour te dire de... C'est pas la peine de repasser à la résidence tout de suite, parce que... Moi, je vais pas arriver là, je suis coincé dans les embouteillages. Ah bon? Où ça? Bah, pas loin, en plus, à Nation, là. Bah, c'est marrant, moi aussi, je suis à Nation. Hein? T'es où, exactement? Je sais pas si tu peux me voir, je suis à gauche là. Coincé derrière des camions, ça avance pas. Attends deux secondes. Avance! Oui, bah y'a pas que toi qui travaille, hein. Laisse-moi passer! Ah, excuse-moi. Ouais, c'est un peu dégagé là. Voilà, j'arrive boulevard Voltaire. C'est marrant, je m'entends avec un peu d'écho. Ah! Qu'est-ce que. Pourquoi je te vois là? T'es où? Jackie, ta femme est là. Hein? Pourquoi t'as fait ça? Fais quoi? J'ai rien fait. C'est ça. Bah, continue à me prendre pour une imbécile. J'en ai assez d'être déçu, Jackie, c'est fini. Non, non, Béatrice, attends, écoute-moi, Sean fait quelque chose. C'est pas vrai, madame, il a pas été au pute. Mais non, pas ça. Bébé, attends, écoute-moi. Tu vas pas partir comme ça, bébé. T'es dans la merde, Jackie. Dis donc, c'est un champion, ton gars. Hein. Avec lui, ça va être les étoiles filantes. Elles s'en vont, elles restent pas. Elles sont filantes, quoi. Au revoir, les étoiles. Messagerie encore. Elle est pas à la maison. Arrêtez de l'appeler, ça va pas la faire revenir. Non, mais c'est pas ça, je lui ai menti. Elle va jamais me pardonner. Je suis sûr, je la connais. Elles sont toutes pareilles, tenez. Elles veulent se marier avec un grand homme, et au moindre écart, elles sont parties. Vous savez, plein de fois, elle m'a parlé de mariage, et moi, comme un idiot, à chaque fois, je lui ai répondu que c'était pas le moment. Alors, comment vous le trouvez? Il est ventilé. Voilà. Vous avez déjà goûté du cheval blanc? Ah non. Cheval blanc 61. Une merveille. Ah, il connaît pas tout, monsieur Vinaigre de Sureau. Non. Goûtez ça. Regardez la robe. Sentez-moi ce nez. Et moi, ça me fait pleurer, le cheval blanc. Oh, moi aussi, tiens. Ça me met les larmes aux yeux. Dans 4 jours, j'ai des critiques au cargo. Hein? Je suis cuit. Pourquoi vous dites ça, Alexandre, voyons? Vous allez encore faire un triomphe? Non. Ce sont des adeptes de la cuisine moléculaire. De la cuisine moléculaire? Adieu à la 3e étoile. Vous avez déjà goûté du pétrus? Non plus, non. Mmh. Mais on finit pas le cheval blanc? Tout à l'heure! Je sais! Je connais quelqu'un. Un spécialiste espagnol de la cuisine moléculaire. Ça, c'est notre homme. Comme ça. C'est qui? Il est connu? Ah, oui, on m'a dit que c'était un génie. Ah, je l'appelle direct. Juan Castella. J'ai encore son numéro. Hola Juan, c'est Jackie Bonneau. Je travaille désormais avec monsieur Alexandre Lagarde et je crois que nous aurions besoin de tes talents. Alors rappelle-moi, as vita as possible. Muchas gracias.
Jackie, je tiens à vous remercier de ce que vous faites pour moi. C'est un honneur, Alex. Et si jamais je garde les 3 étoiles, je vous embauche comme second. C'est vrai? Je préférerais bras droit. Bras droit? Premier assistant. Ça a de la gueule aussi. D'accord. Premier assistant. Chef adjoint, c'est pas mieux parce que ça sonne... Bon, vous allez me serrer la main. Pardon. On va fêter ça avec un armagnac. Bien sûr. Elle est à Nevers. Je vais aller la demander en mariage. Béatrice, elle est partie chez ses parents à Nevers. Je vous abandonne comme ça. Je... Oui, mais... Je peux pas vivre sans elle. Je comprends. Je vous dépose. Je dépose. Donc, d'abord, vous lui dites que vous me signez un contrat de travail. Ensuite... J'y vais, je lui parle, et 5 minutes après, elle est dans mes bras. Hein? Mais non, je rigole. Je prépare le terrain et vous arrivez. C'est vraiment chouette, Nevers. C'est là, Emilien. Faut tourner là. S'ils sont pas chez eux, c'est qu'ils sont là. Allez, zou. Belle. Bah oui. Allez, c'est par là. Oui. Et... Quoi? Mais j'ai pas de bague. Oh, mais... On peut pas y aller les mains vides. Bah non, qu'est-ce que je vais faire? Je sais ce qu'elle aime. Je lui prépare un truc là, elle va me pardonner. J'enlève ça. Ensuite. Alors. Jackie, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, Carole. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, c'est... Une surprise pour Béatrice. S'il te plaît, tu dis rien. Oh, bah, tu sais que t'es ici chez toi. Je te présente pas Alexandre Lagarde. Alexandre, Carole, la maîtresse des lieux. Monsieur Lagarde, c'est un honneur. Oh, mais tout l'honneur est pour moi. Quelle coïncidence, mon chef me quitte à la fin du mois. Si vous voulez, je vous propose de faire un essai. Oh, vous êtes beaucoup trop cher pour moi. On n'était pas censé venir pour Béatrice, non? Oui. Béatrice, oui. Pardon, excusez-moi de vous déranger, je me présente, je suis... Vous êtes Alexandre Lagarde? Exactement, oui, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, Béatrice, je voulais vous dire que tout est de ma faute. Je suis responsable de cette situation. Monsieur Lagarde, merci d'être venu. Mais je sais très bien que vous n'y êtes pour rien. Vous direz à Jackie que je ne veux plus le voir. Oh mais non, il faut pas dire ça. Il a quelque chose d'important à vous dire. Mais je m'en fous, je veux pas l'entendre. Écoutez, il faut que je vous dise que si tout se passe bien, je l'engage définitivement au Cargo Lagarde. Béatrice, si monsieur veut engager Jackie. Je t'ai déjà dit, je veux pas que le père de mon enfant soit un menteur. Complètement irresponsable. Oui, ça c'est vrai. Bah oui, il est invivable. C'est vrai, je l'ai même renvoyé il y a un moment donné, ou alors je me suis trouvé dans le... Oh, vous étiez pas censé me défendre, vous? Jackie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir Armand, bonsoir Mathilde. Bonsoir. Mon amour, je suis désolé, je te demande pardon. Regarde ce que je t'ai fait. Ton gâteau préféré, un millefeuille au caramel avec des petites framboises macérées, des petites groseilles, des petites pistaches. Non, j'en veux pas de ton gâteau. Mais si, regarde. Je t'ai fait un cœur en sucre vanillé, tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Arrête avec ton sucre vanille, ça marche pas. Béatrice, je profite de la présence de tes parents pour te demander solennellement, est-ce que tu veux bien m'épouser? Non, mais non, Jackie. Mais pas comme ça, pas maintenant. Mais pourquoi? Jackie, tu m'as menti. Oh, c'est bon, je t'ai menti, ça va, c'est pas si grave. Je t'avais jamais menti avant. Enfin, si, une fois. Mais bon, ça comptait pas. Techniquement, on n'était pas vraiment ensemble, donc... Mais pour... Béatrice! Je crois que c'est pas trop le moment de te demander ça. Bon. Jackie, on va y aller, je crois. Oui, on va y aller. Bonsoir, madame. Bonsoir, Armand. Bonsoir, Mathilde. Oh, monsieur Lagarde! Je sais que c'est pas le moment, mais comment doit-on faire pour que les fruits confits ne tombent pas dans la pâte crue du cake? Les fruits confits, il faut les mettre dans la pâte bien mousseuse et battre tout doucement. Oh, merci, monsieur Lagarde. Sinon, il y a une autre école. C'est, il suffit de mettre la pâte au frigo et ensuite, le lendemain, de mettre les fruits confits, tout simplement.
Voilà. Alors, ça a marché? Bonsoir, Carole. Tout va bien. Elle l'aime. C'est bien Carole, votre prénom? Ah oui, oui, c'est ça. Moi, c'est Alexandre. Je sais. Je compte sur vous pour l'essai, hein? Bien sûr. À bientôt. À bientôt. Elle est belle. Je sais. Non, pas Béatrice, Carole. Enfin, je veux dire, toutes les deux sont belles. Mais Carole... Vous avez de la crème, là. En plus, il manque de praline et ce millefeuille. Voilà, vous êtes chez vous. C'est la toque d'or, votre premier trophée. Et ça, c'est le... Oui. Bonne nuit, à demain. À demain? Allô, bébé? Oui, c'est encore moi. Je sais, il faudrait que je laisse de la distance, tout ça. Mais moi, j'y arrive pas. Voilà. Bon, tu me rappelles, hein? Ouais. Tu travailles encore? Ouais, il faut que je sois prête. Tu sais, je crois bien que cette fois-ci, je vais perdre ma troisième étoile. Bon, une de plus, une de moins. Je suis sûre que t'as oublié, mais tu vas venir à ma soutenance. Excuse-moi, je te dis que je suis inquiet pour ma troisième étoile et tu me réponds avec des romans russes que personne ne lit. Mais toi, va voir le reste de la planète. Va lui dire que Alexandre Lagarde ne va plus faire ses œufs brouillés à la truffe. Ils vont pleurer, hein, je te jure. Mais comment tu peux être aussi égoïste? Mais j'ai été à bonne école. Je sais, j'ai pas souvent été là. Mais pendant ce temps-là, j'offrais du bonheur à beaucoup de gens. Ouais, aux autres. T'en as pas marre de parler que de tes restaurants et de tes étoiles? Oui, je te laisse travailler. En dehors de travailler aux cuisines de la résidence, je n'ai pas bien compris leurs qualifications. Ah, alors Chang était maquilleur au Crazy Horse, Moussa camionneur à Pau, hein, je crois que c'est ça, et Titi était carreleur. Et que voulez-vous que je fasse d'eux? Ben, on a besoin d'une équipe ici. Et puis surtout, on a besoin de cobayes pour goûter nos premiers essais. Vous avez la carte vitale, tous les trois? Ouais. Ah, c'est lui. Je vais ouvrir. Hein. Je vous en prie. Alexandre, je vous présente Juan Castella, spécialiste mondial, on peut dire mondial. Si, on peut dire. Spécialiste mondial de la cuisine moléculaire. Bonjour, señor Alexandre Lagarde. Je suis très honoré. Moi aussi. Juan a tout appris au grand cuisinier espagnol. D'abord, señor Lagarde, je vais goûter votre cousine. Ma cousine. Qu'est-ce que c'est? Bœuf aux algues, un mélange de la terre et de la mer. J'ai vu un problème, señor Lagarde. Au travail! Plumez-moi ça. Vous avez vu chez qui ces canards? Canards sauvages, au bois de Vincennes. Du bois de Vincennes? Oui. Faut les plumer, maintenant. J'en veux encore du canard? Masse. Mucho más. Hombre, por favor, Jackie, ¿cómo tratas el pato? Hombre, que no eres Martín Berasategui, que esto es cocina molecular. Sí, hombre, por favor, atender, que es cocina molecular. Je suis content. Regarde. ¿Y son où les canards? Je procédé à atomisation du canard en j'ai restitué goût dans les petits cubes. Et vous voulez que je serve ça au client? Ah, mais attendez, il n'a pas terminé. Il va encore travailler sur... Partie artistique. Voilà. Les couleurs... Les sauces, le croustillant... Ouais. Moussa, Titi et Chang! Venez voir. Est-ce que vous pouvez nous goûter ça?
Magret de canard au coin. Où ça? Là. Dans les apéricubes? Oui, là dans les cubes, il y a un canard avec des coins. Des coins, des coins, coins? Vous avez réussi à mettre les cris du canard dans un apéricube? Mais comment vous avez fait ça? Bon, je crois qu'il faut goûter maintenant. C'est normal, ça? Des notes. Trop fumé d'azote. Réduit de 15 grammes par litre. On arrête de mâcher quand? Pas tout de suite. Continuez. Alors? Ben, on a l'impression de manger un canard en poudre qui reprend d'un coup sa taille dans le ventre. C'est un goût de poisson, en fait. Bon, ben c'est vrai. Vous avez fait du poisson avec deux canards. Ça doit être un problème avec condensateur. Il faut qu'il y retourne voir. Goûtez, seigneur Lagarde. C'est le vrai goût du canard. Pas du tout, ça. Ça a le goût de la framboise. Continuez à manger. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous pas inquiétez, seigneur Lagarde. Réaction chimique normale. Comment ça, c'est normal? On va arrêter les conneries. Non. Je continue pas la cuisine magique. Mais non, vous continuez pas la cuisine magique. Vous très susceptible. Moi, partir. Me voy. Quédese aquí con su gastronomía retrógrada y prehistórica. Oui, c'est ça. Au revoir. Là, j'en ai marre. Les canards, les petits cubes, ça suffit. Ça fait 20 ans que je subis la pression pour plaire à trois critiques. J'arrête tout, là. Ah ben non. Et moi, vous m'aviez promis un contrat de travail, hein. Mais on a deux jours pour inventer une cuisine que ni vous ni moi ne connaissons. Ce n'est pas possible. Et Cyril Bosse, il y arrive bien, lui. Comment est-ce qu'il fait? Hein? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas manger dans son restaurant? Comme ça, on regarde, on goûte, on comprend, on analyse et hop, on réinvente. Mais tout le monde me connaît. Je fais quoi? Je l'appelle, je lui dis c'est Lagarde, vous avez une table pour deux, pour dîner, non, pour espionner. N'importe quoi. Et donc, il n'y a pas de solution? J'en vois pas, là. Chef? Quoi? Chang. Il a été maquilleur au Crazy Horse. Et alors? Monsieur et Madame Noguchi. Bonsoir. Konnichiwa. 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 C'est un honneur pour nous de recevoir l'attaché culturel de l'ambassade. Arigato. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Vous tombez bien, ce soir, c'est justement la présentation de la nouvelle carte. Oh. Suivez-moi. Banasan. Le chef Cyril Bosse vous souhaite la bienvenue. Vous vous rendez compte? C'est comme ça qu'ils veulent rendre le cas qu'on la garde. Catastrophe. Votre table. Une excellente soirée. Le chef Cyril Bosse vous propose son menu symphonique. Tempura, tsukare suzuki. Champagne à l'azote, monsieur, dame. Kanpai. Kanpari. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça a quel goût? Il y a du champagne au Havane de Cuba. Et qu'est-ce que ça peut être, compression de volaille aux nouilles, udon? Mousse de radis phosphorescent. Spaghetti de riz de veau? Calamar virtuel. C'est-à-dire que tu le manges, mais tu ne le manges pas. Oh. Bonsoir, messieurs, dames. Konnichiwa. Si vous le permettez, je vais vous faire goûter un vin, l'esprit du pomerol. 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 Mais sans vin. Ah. Ni raisin, ni alcool. Ah, on procède dedans, là? Ah, on ne peut pas vous dire. Mystère et boule de gomme. Mitsuko, bien dire tes bêtises. Je vous laisse la pipette au frais. Du vin sans alcool, ça sert à rien. C'est boisé. On sent l'idée du pomerol. De la groseille. Du cuir. Je sens du cuir. Fromage de brebis aux fruits de saison. Ventrèche de thon à la tomate. Sashimi sushi tempura unagi. Poireau caramélisé à la citronnelle. Qu'est-ce que c'est? Bœuf et veau dans un potager. La première bouchée de votre entrecôte se mange en reniflant ceci. Oh. Pas pratique.
Non, vous devez la prendre. Pas pratique non plus. Regarde-toi. Le chef Cyril Boss vous souhaite bon appétit. J'arrive pas à l'attraper. C'est intéressant, ça. Oh. Ah, c'est aigre. Non ? Riz de veau. Quand ? C'est un spaghetti au riz de veau. Mmh. Il faudrait qu'on arrive à reproduire ça. Bonsoir, excellence. Oh, konnichiwa. Konnichiwa. Alors, ça vous plaît ? Ma femme beaucoup appréciée. Oh oui, beaucoup. Pardonnez-moi, excellence, mais ce n'est pas la première fois que vous venez dans mon restaurant, n'est-ce pas ? Première fois. Pourtant, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Non. Non. Première fois. Nous venir à très loin, nous à Osaka, Kobe, Tokyo, Kyoto, Hokkaido. Je suis sûr de connaître votre visage. Non, non, non. Vous allez souvent dans le restaurant gastronomique ? Gastronomique. Ah oui, nous aimons beaucoup la grande cuisine. Où avez-vous l'habitude d'aller ? Ducasse. Ducasse. Robuchon. Robuchon. Gagnère. Ah, Gagnère. Et à Alexandre Lagarde. Alexandre Lagarde ? Non, non, il est tellement nul. Vous trompez. Nous mangeons très bien à Carco Lagarde. Arrêtez. Entre nous. Alexandre Legal, on était encore à faire des porte-au-feu. Excusez-moi, mais c'est la dernière des ringards. En plus, je vous fais une confidence, il paraît qu'il a embauché comme second un chômeur qui bossait dans le shawarma à faire des kebabs frites. Hein? Un naze qui sert à rien. Bon, vous suffit, pas respect. À Japon, Alexandre Lagarde, restaurant Ichiban. Grande offense à numéro Japon. Un. Ah, vous, Cyril Boss, rien du tout. Excusez-moi, chef, mais la table des critiques aimerait vous voir. Très bien, j'arrive. Excuse-moi, je reviens. Ils veulent sûrement encore me faire des compliments. Sayonara. On se casse parce que s'il revient, je lui colle une patate. Ouais, dans sa gueule. Allez. Attendez. On va d'abord emprunter quelques petits ingrédients pour les retravailler à la maison. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai ramassé plein de trucs. Vous partez déjà ? Vous prenez pas votre éprouvette clé aux fraises ? Non, nous partir. Oui, malade. Oh, allez. Dommage. De toute façon, on se verra bientôt au Cargo Lagarde. Ça va être moi le prochain chef. Si tu parles encore du Cargo Lagarde, tu sais où je vais te les mettre ? Tes éprouvettes ? Non. Vaut mieux que toi pas savoir. Hmm ? Allez, maintenant. Le chef Cyril Boss vous remercie de votre visite. Allons-y, messieurs. Envoyez les plats. Allez. Explosion de bœuf aromatisé au gingembre. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous criez comme ça ? C'est pour faire grand restaurant, c'est plus classe. Mais on ne hurle pas comme ça dans les trois étoiles. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Allez. Tartine, dos à moelle, vitrifiée à l'encre de chambre, siège. Chambre, on ne hurle pas. Ah, mais c'est Titi qui m'a dit. Ah ben oui, il a dit que c'était pas comme ça. Donc, je gueule pas non plus, hein. Bah non. Ok. Écume de tomate au concombre. De quoi ? Écume de tomate au concombre. Merci. Je l'ai dit doucement, t'as vu ? Alors, chef ? J'ai pas mal. Pas mal ? Ouais ! Ouais ! Papa, vous faites trop de bruit, je me lave à 6 heures. Bon, excuse-moi, ma chérie, mais c'est pour la carte du printemps, j'ai les critiques demain. Demain ? Mais tu viens pas ? Où ça ? Eh oh, un peu de tenue, messieurs ! Envoyez la suite. Merci. Chucky a raison. Sa méthode est meilleure que celle du grand Alexandre Lagarde. Regarde comme ses fruits sont bien répartis. Faut arrêter de faire de la peine à ce garçon. Il cuisine tellement bien.
Il a tout de même fait 200 km pour venir te faire sa demande en mariage. Oh, regarde-moi l'élégance de ce cake. Hein? Vous croyez que j'ai été trop dure avec lui? Bah écoute, qu'est-ce qu'il y a? Oh, à la clinique. Là, je crois qu'il faut qu'on m'amène à la clinique. Oui, ma chérie, tout de suite. Prends juste une tranche de cake pour la route. Et ben deux. J'arrive, j'arrive. Oui, j'ai ma fille qui dort. Oui, chef. Attention de pas rayer les murs. Oui, chef. Non, laissez, chef, je vais le porter. Mais non, je vais vous aider. Ok. C'est la dernière pièce. Allez-y, hein, je monte dans le camion. Allez, filez. Soyez pas en retard. Mais vous venez pas avec nous? Non, c'est vous qui avez raison. Sans amour, on n'est rien du tout. Hein? Alexandre! Comment je vais faire, moi? Bah, qu'est-ce que tu fais là? On se présente pas à un examen le ventre vide. Je t'ai préparé un chocolat de chez Chocolat. Assieds-toi, je vais te servir. Tu te souviens? À l'époque, on appelait ça la brioche à l'amandine. Ah, du temps de maman, tu m'en préparais chaque jour d'examen? Oui, à l'époque, je cuisinais pour le plaisir. Et puis, je suis devenu le type qui a le plus de restaurants étoilés dans le monde. Et j'ai oublié ce que j'aime le plus. Toi et faire la cuisine. Ils sont où, les autres? Tu sais, je ne veux pas rater le moment où tu vas sortir au jury que Balzac a tout pompé sur des Cosaques pour écrire La peau de chagrin. T'as lu ma thèse? Papa, t'as lu ma thèse? Non, tu l'as lu? Trois étoiles. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de préparé? Je reviens de Rungis, Marco veut plus rien nous vendre. Et à 7h30, c'est trop tard, il reste plus que des légumes bas de gamme. Et ceux-là, on peut rien leur murmurer à l'oreille. Quoi? Bonjour, monsieur Bonneau. Je cherche Alexandre. Ah, il est pas là. Il viendra plus tard dans la matinée. Vous lui direz de m'appeler? Oui. Est-ce que vous voudriez travailler avec moi, monsieur Bonneau? Ah, merci, mais non. Alexandre m'a fait confiance et je m'en voudrais de... Oh, oh, vous êtes trop pur, Jackie. Il faut penser à vous. Vous savez, Alexandre s'obstine à vivre dans un temps qui n'existe plus. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est encore le meilleur. Et en plus, il m'a promis qu'il allait me prendre comme second, alors... Oui, oui, s'il garde ses trois étoiles. Mais là, vous allez faire quoi sans lui, avec des frigos vides? Hein, des sandwichs aux gruyères? Vous présumez un peu de vos forces, monsieur Bonneau? Vous n'arriverez à rien? Peut-être. Mais je veux quand même essayer. Essayez quoi? Essayez quoi? Hein, vous pensez être un chef parce que vous refaites des recettes? Mais vous ne l'êtes pas! Vous êtes un amateur! Et on est chez les professionnels, ici! Vous avez déjà inventé quelque chose? Hein, les œufs mimosa ou le tiramisu, c'est vous? Non! Vous êtes un copieur, juste un type qui fait du karaoké.
C'est tout. Rentrez chez vous. Monsieur Bonneau. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, Jackie? Bah rien. On n'a pas de légumes, j'ai pas d'idée, Alexandre est pas là. On est là, nous. Oui, c'est gentil, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Stanislas a raison. J'invente rien, je fais du karaoké. J'aurais dû rester à repeindre des fenêtres. Béatrice m'aurait pas quitté. D'ailleurs, je vais aller la retrouver. Quoi? C'est tout? On a tous quitté notre travail pour te suivre et toi, tu nous abandonnes. On va se retrouver au chômage à cause de toi, Jackie. Tu nous avais promis un métier. Je suis désolé. L'autre, il a raison, Jackie. T'as jamais été un professionnel. Tu fais de la cuisine pour ton plaisir. Un professionnel, ça le fait en pensant aux autres. Moi, quand j'étais carreleur, je travaillais pas pour le plaisir. Mais pour que les autres puissent marcher sur un sol droit. Tu comprends, ça? Téléphone pour vous, monsieur. C'est Alexandre? Non, une dame. Merci. Allô? C'est moi. Oh, bébé. Oh, je suis contente de t'entendre. Si tu savais comment je m'en veux. Je t'ai menti et j'aurais pas dû. En plus, je t'ai menti pour rien. Ici, tout est foutu. Comment ça, tout est foutu? Bah, c'est le genre de critiquer, rien dans les frigos. Non. Moi, je suis sûre que ça va très bien aller. T'es jamais aussi bon que quand tu cuisines avec rien dans les frigos. Non, mais là, y a vraiment rien dans les frigos. Non, j'arrête tout. Maintenant, j'en suis sûr. La cuisine, c'est pas pour moi. T'as toujours des excuses pour tout, c'est dingue, ça. Pourquoi tu finis jamais rien? Comment tu veux savoir ce que tu vaux si tu vas pas jusqu'au bout? Tout ce que tu m'as fait comme cuisine, ça a toujours été incroyable. Sinon, je crois que je t'aurais vraiment quitté. Mais évidemment, pour toi, c'était bon. Hein. Parce que toi, je t'aime. Bah alors, fais comme si tu cuisinais pour moi. Et pour ta fille aussi. Hein? Ça y est? J'ai une fille? J'arrive tout de suite. Non, tu finis d'abord ce que t'as à faire et tu viens de voir après. T'es sûre? T'inquiète pas, on t'attend. À tout de suite. Y a un supermarché pas loin? Non. Ah. Juste une petite épicerie au bout de la rue. Comment c'est la mise en place? Oui, chef. Allumez les fours. Oui, chef. Titi. Oui, chef. Fais-moi bouillir de l'eau. Moussa, Chang avec moi. Oui, chef. Vous aussi, venez avec oui, moi. Chef. Oui, chef. Vous là-bas, venez tous avec moi. Eh, les gars, je suis papa. Je suis papa. Un peu de légumes? De belles tomates? Non, donnez-moi tout. Je vous prends tout. Les légumes, les fruits, les oignons, les tomates, les artichauts, les ananas, les pâtes, le riz, la semoule, les œufs, le fromage. Je vous prends toute la boutique. C'est le bon Dieu qui vous envoie? Exactement. Ne te laisse pas impressionner par le jury. Et prends bien ton jus de citron pour t'éclaircir la voix. Oui, papa. C'est moi qui passe ma soutenance, c'est pas toi. Le chocolat et la brioche, ça va te booster. Mais n'en fais pas trop, quand même. T'en fais trop, là? Tu vas devenir un père collant, quoi. Pas du tout. Prends ton pull, il fait froid dehors. Je me gare et j'arrive. Ok. On va utiliser ça pour faire les bouillons des fonds de sauce. Chang, tu m'épluches les carottes. Tout de suite, chef. Moussa, tu m'éminces les échalotes. Oui, chef. Titi, tu me blanchiras ensuite les légumes. Oui, chef. Les gars, on a 1h30 pour inventer la nouvelle carte du cargo la gare. 1h30. C'est impossible d'y arriver. Mais on va quand même essayer, d'accord? Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Je regrette que vous ne fassiez aucune référence à Anastasia Vladimirovna. Je vous remercie pour votre remarque, mais ça ne me semblait pas indispensable dans le chapitre sur Dostoïevski. Allô? Gérard, non, je peux pas te parler, là. Quoi? Mais quel salaud, ce Marco. Il m'avait promis de livrer tous les légumes. Attends, j'arrive. Pardon, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Pardon, madame la présidente. Ah, je sais, je vais encore te décevoir, mais il faut que je parte. J'ai un problème au restaurant. Ton travail est formidable. J'ai pas tout compris, mais c'est très beau. Je suis très fier de toi. Pardonnez-moi, mais elle est formidable, n'est-ce pas? Il faut que j'y aille. Hein. Papa? Oui, quoi? Merci. Pour ce matin, le petit déjeuner, c'est bien, hein? À tout à l'heure. Poursuivons, mademoiselle Lagarde. Poursuivons.
sûr, Alexandre a eu une très grande époque, mais sa cuisine n'a plus évolué. C'est un peu préhistorique. Mais je me tais. Je voudrais pas vous influencer. La carte. Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé ? Paul, je suis venu. J'ai encore jamais raté le jour de ta nouvelle carte, non? Eh bien, tu vois, c'est ton peintre qui fait la carte du printemps. Ça devrait déjà être fait, là. Et il les a trouvés où, ces légumes? L'épicier du coin. On est mort. Il faut absolument appeler Alexandre Lagarde. C'est incroyable. On veut le féliciter. Je n'ai pas souvenir qu'il ait déjà atteint une telle subtilité alliée à une telle modernité. Comment fait-il pour mettre autant d'émotions là-dedans? J'ai l'impression qu'une grande femme m'a prise dans ses bras et m'a plongé dans une baignoire pour me laver le corps avec une éponge avec de l'eau tiède et après elle m'a... Pas vous? Bah, au fond, ça ne m'étonne pas d'Alexandre. Je sais qu'on dit beaucoup de mal de lui ces derniers temps dans Paris, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était le meilleur. Toujours. C'est clair. C'est clair. Alexandre, c'est Stanislas. Rappelle-moi, s'il te plaît. Jackie? Oui. Où est Alexandre? Les critiques veulent absolument le voir et il est injoignable. Je retourne en salle, chef. C'est clair qu'il travaille et qu'il viendra plus tard. Ces nouvelles recettes sont magistrales. Magistrales. On envoie les calamars, hein? Chaud! Ce mélange mi-traditionnel, mi-moléculaire, je suis sur le cul. Je suis sur le cul, putain. Qui n'a pu créer un truc pareil? Je suis sur le cul! Putain, à ce compte-là, ils vont créer une quatrième étoile pour lui. Hein? Bonjour tout le monde! Bonjour, chef! Tu es là? Vous aussi, monsieur Mater? Je peux goûter ça? Mais papa, tu m'as pas dit que tu venais? Il n'était pas nécessaire que tu le saches. Et vous avez fait ça avec les légumes de l'épicier? Ah oui, c'est tout ce que j'avais sous la main. Vous avez entendu? Je crois que vous avez gagné. Alexandre, je suis tellement, mais tellement content de te voir. Va vite en salle, hein, ils t'attendent, tu vas faire un triomphe. Bon, il y a eu des petites frictions entre nous, hein, ces derniers temps, mais tout ça, c'est du passé. Hein? Je tiens à ce que tu restes au cargo Lagarde. J'insiste. Brother. Je vais t'annoncer. Je crois que le moment est venu pour moi, Paul. Attends. Alexandre! Alexandre! Qu'est-ce que tu vas faire? Venez avec moi, venez avec moi. Mesdames et messieurs, vous avez aimé ma carte du printemps, et je vous en remercie. Mais... ce matin, je n'étais pas là. J'étais à la Sorbonne pour la soutenance de thèse de ma fille. Elle l'a eue avec les félicitations du jury. Ah. Bravo! Merci pour elle. Je salue au passage nos amis du guide, qui sont là incognito. Attends, non, pas du tout. Jackie, viens. Viens. Mesdames et messieurs, je vous présente Jackie Bonneau. Bonjour. C'est lui qui a créé la carte du printemps. Ah. Merci. C'est lui, le nouveau chef du cargo Lagarde. Hein? Nous sommes d'accord, Stanislas. Ah mais, oui. Oui. Mais comment... Et oui, il y a longtemps que je cherche un successeur et... je l'ai trouvé. C'est pourquoi je vous annonce que j'arrête la course aux étoiles. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, vous le saurez bien assez tôt. Félicitations. Merci, chef. Bonne chance. Merci. Jackie. Oui, chef. Il était bien beau, votre millefeuille. Tenez, offrez ça à Béatrice. Mieux se passer cette fois-ci. Non. Alexandre! Jackie Bonneau et ma botte secrète. Messieurs, je vous avais annoncé une surprise.
C'est Jackie Bonneau. Stanislas, viens voir. Oui, papa. On a sauté les étapes trop vite. Avant de reprendre les rênes du groupe, il faut que tu retrouves le sens de la qualité du produit. Très bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va trouver. Monsieur Mater. Oui, mon ami. Est-ce que vous pouvez me signer un contrat de travail? Là, maintenant? Oui, j'aurais besoin d'un contrat de travail signé tout de suite. Ah, mais lui, ce qu'il te demande. Ah ben oui, on va signer tout de suite. Et fais-lui un chèque aussi. Et puis je vais vous faire un chèque aussi, d'accord? Ah bah oui, d'accord, ouais. Ça tombe bien parce qu'en plus, je viens d'être papa. Moi, c'est formidable, ça. D'ailleurs, je suis un petit peu pressé parce qu'il faut que je parte la rejoindre à 9h, voir mon petit bébé. Mais donne-lui ta voiture aussi. Oh. Donne-lui ta voiture. Ah oui, je veux bien, ouais. Voilà. Il y a de l'essence? Coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie, le célèbre chef Alexandre Lagarde a renoncé à la course aux étoiles. Sa brigade travaille maintenant sous les ordres d'un jeune chef totalement inconnu. Nous avons tenté en vain d'en savoir plus. Monsieur, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce mystérieux nouveau chef? Monsieur? Salut Jackie. Salut Antoine. Alors c'est aujourd'hui que tu me l'achètes ta tenue de chef? Oui. Non. Si. Et tu vas me rajouter une vingtaine de tenues pour toute ma brigade aussi. Tu vas tout recevoir par bon de commande, mais je tenais à venir te l'annoncer en personne. Ok. Salut Antoine. Il s'agirait de Jackie Bonneau, un jeune surdoué de la cuisine. Bébé. Hey, t'as fait longtemps que t'es là. Hey, bravo. Mmh. Il est tellement belle. Vraiment, ça s'est bien passé. Oui. Hey. Un contrat de travail. C'est super. Faut que je te raconte, c'était incroyable. Ouais, bah moi aussi, faut que je te raconte. Ça veut dire que tu veux bien devenir ma femme? Mais tu veux pas me faire une vraie déclaration et pas une demande à la noix? Une vraie déclaration? Ouais. Genre, Béatrice, mon amour, est-ce que tu veux bien devenir ma femme? Oui. Et attends, juste pour être sûre, parce que c'est quoi la fois où tu m'as menti? Parce que j'ai pas compris, le techniquement on n'était pas ensemble. Hein? Techniquement, je m'en souviens pas très bien. Bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle émission, désormais hebdomadaire, les grandes recettes d'Alexandre et Jackie. Côte de bœuf rôti. Oui, car aujourd'hui est un grand jour. Et oui. Aujourd'hui, le guide est paru et grâce à Jackie, le cargo Lagarde a conservé ses 3 étoiles. Bravo Jackie. Merci. Merci, merci beaucoup. 3 étoiles que vous avez quand même su conserver depuis 15 ans grâce à un travail formidable, Alexandre, faut-il le préciser. Merci. D'ailleurs, Alexandre, vous n'êtes plus au cargo Lagarde? Pourquoi êtes-vous allé vous faire engager comme cuisinier du côté de Nevers? Parce que c'est chouette, Nevers. Ouais. Et ben, d'ailleurs, on voit des images chouettes de vous en train de cuisiner dans votre nouveau restaurant. C'est bon, merci beaucoup. Bon appétit.
pour déjeuner. Et voilà, je suis là avec Carole. Bonjour. La maîtresse de maison. Nous avons pris parti de travailler au milieu des gens. J'ai retrouvé des sensations de jeunesse. Et regardez comme c'est beau. Oh, cette côte de bœuf, je crois qu'elle est bientôt prête. Magnifique. Et regardez ce que j'ai apporté. Du romarin. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce romarin? Alors, on va le mettre sur la côte de bœuf. Certainement pas. Comment ça? On ne met pas de romarin sur une côte de bœuf. Vous plaisantez. Non, Alexandre, je ne vous laisserai pas gâcher cette côte de bœuf. Il y a les sucres de cuisson, le beurre noisette, c'est ça qui est important. Pas le romarin. C'est génial que nous sommes en direct. Alors, oui, donc on va mettre direct, pas de romarin. Attends, sur remettez la côte de bœuf ici. Non, certainement pas. Je ne vous permettrai pas. Ça va masquer le goût. Venez là, on va mettre. Non, non, on ne met pas de romarin sur la côte de bœuf. Venez, on est en direct. Venez, Alexandre, je préfère. Venez. Je mets du romarin. C'est juste un peu de romarin, quoi. Non.